C'est à la fois un sauvetage patrimonial, une restauration d'un château qui allait disparaître et surtout la naissance d'un nouvel équipement culturel. Alors c'est un endroit d'activité culturelle, c'est un endroit de résidence, c'est un endroit de création, c'est un endroit de jeu, de plaisir, de vie. Et c'est aussi un endroit socioculturel où on pourra faire des ateliers, où on pourra trouver une écrivaine publique. Bref, c'est un endroit de vie totale. La langue française, c'est clairement un patrimoine, puisqu'évidemment, elle inscrit ses racines dans un passé très, très lointain, dans un passé d'ailleurs largement partagé, dans un passé pas, comme le montre bien le parcours de la Cité internationale de la langue française, dans un passé qui n'est pas exclusivement européen, exclusivement latin. Mais pour moi, elle est un patrimoine aussi fondamentalement, en ce sens que d'abord, elle est partagée, en ce sens qu'elle se situe à la croisée des géographies, à la croisée des histoires, des grandes histoires et des histoires individuelles.